Eh bien, bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi. Musique beaucoup plus posée que Pokémon. Salut Destiny, comment tu vas? Bon, bah après le début de cette folle aventure qui a été compliqué à démarrer sur Raft, on va faire un petit peu de Fortnite. Salut BG, arrête, je vais rougir. Ça va. Je suis très content, on va faire du Fortnite. J'ai, je vous le dis, recommencer Kingdom Hearts en mode facile, là. Il y a moyen, si j'en fais encore un peu ce soir, et peut-être demain dans la journée, si j'ai le temps, qu'on reprenne demain soir après Rayman Origins. Merde, j'ai raté. C'est pas grave, il y a une superbe rediff, si tu veux. Incroyable, plein de rebondissements. Pour te dire, à un moment, il y a quelqu'un qui est venu sur le chat qui a fait un arrêt cardiaque tellement qu'il y avait des rebondissements. Il y a eu de la joie, de la peine, on a pleuré. Ah ouais? Ben, bonne chance, mec. Bonne chance. Bon, du coup, nous, on va faire un petit peu de Fortnite. Comme d'habitude, je cherche pas spécialement de top 1, hein, c'est juste... du leveling chill avec vous. Comme ça on peut parler en même temps. Let's go, tout simplement. Ah, quel con. Quel con. J'ai une scène spéciale pour Fortnite. Parce que la caméra. Et à chaque fois je fais ça. Bon, pas grave. Pour éviter de faire 15 heures de faire le, sur le même non mais arrête. Tu dis ça parce que t'es en colère alors que mon niveau de jeu il est impeccable. Et ouais, t'as vu ma scène, là il y a du changement. Alors par contre je vous préviens, j'ai le meilleur skin du jeu maintenant, hein. Payez pas d'aigle. Il est là. Alors par contre, paramètres. Parce que je crois que... Voilà, parfait. Choqué de quoi? De mon superbe... John Cena? Arrête, il est trop bien, mec. Tac. Il y a John Cena, tu savais pas? Faut que je ramasse un panneau au calme. Il faut que je fasse un tour de ça. On va aller faire ça. Pensez quoi? Je pense que c'est bien. Allez, Ezo. Bon, normalement, il y a la musique, hein, mais bon. Voilà, hein. Du coup, j'ai vu qu'il est arrivé en boutique. Je l'ai pris. J'ai pas encore fait de partie, hein, avec. Bon, après, un skin, ça change rien, mais je veux dire... j'ai pas vu l'endo, qu'est-ce que ça donnait. J'ai pas mis le sac à dos ceinture, parce que je trouve ça con d'avoir une ceinture de catch dans le dos. Excusez-moi. Même si la ceinture est jolie. Bon. C'est mon avis. Ah ouais, il a son petit truc qui pend là, incroyable. Oh, moi j'ai plein de défis à faire, mec. Ouais, c'est mieux sur la ceinture, j'ai pas testé avec, hein. Je l'ai du coup, mais... je ne saurais dire. Allez. And his name is John Cena, hein. Oh, j'ai un peu de envie de faire ça chill solo ce soir. C'est gentil, hein, mais
Mais un jour, faudrait qu'on se fasse un soir en vrai où on peut aussi être en vocal en même temps. Et limite que tu stream aussi. Par contre, je serais. Pour le coup, je serais grave chaud. Allez. Pouet. Il me faut un bateau, j'imagine. Pouet. Il y en a là. Je vais ramasser des armes quand même, on sait jamais. Non. Bon, oui. Bah puis après là la semaine prochaine par exemple je sais que je vais pas pouvoir stream autant que là, ça va faire un petit peu comme la semaine dernière où je faisais beaucoup qu'un seul live. Et il y avait déjà beaucoup de choses de prévues, je vais pas mentir. Donc je sais que par exemple la semaine prochaine ça aurait été mort de toute façon. Pas de soucis. Comment on fait ce truc là? J'ai pas l'impression que ça fonctionne là, non? D'accord. Non? Si. Ok. D'accord. Ouais, je viens de voir. Ah non! Trop gourmand. Bon, j'attends là. Je bouge plus. Hey John. C'est The Marine. Et tout. Bien. Attends, j'ai pas eu le temps de dire toute la phrase. On m'a tiré dessus. What's a boot drive, what's a boot power? Ah merde, c'est Zorg ça. Ah bon. Moi je connais Can you smell what the rock is cooking? Est-ce que vous pouvez ressentir ce que le rock mijote? Mais j'avoue que ça, je connais pas. J'ai vraiment des armes de merde. Je sais pas trop ce que je dois faire comme quête maintenant. Mais... je vais regarder ça. Tac tac tac. Ramasser un panneau au calme. Ah mais il y en a un pas loin. C'est vite dit. Pardon. Sinon.
J'ai vu des méchants. Je sais pas si je suis vraiment bien armé pour les affronter, mais... Ouais non, j'étais pas bien armé du tout. Là par contre le truc pistolet mitrailleur à charge, j'ai des choses à faire avec, je viens de voir. Très bien. Très bien, très bien. Il y a une mise à jour de Twitch sur portable, je la trouve beaucoup mieux. C'est bon, t'as de l'eau? Ah. Bon retour. Là j'ai gagné. C'était, il y a eu un bug, mais j'ai gagné. Donc tu pars chercher de l'eau. Bon, faire lancer un personnage avec une bombe, ouais. J'essaie de ramasser un panneau au calme, hein. Je sais pas ce que ça a, ça apporte un milkshake. Incroyable. Ah, ok. Ok. Ouais, une fois que j'aurai fait ça, en gros, ça, ça se fait plus ou moins tout seul, à part voter que faut que je fasse. Ah, mais il y en a d'autres! Ah oui, d'accord. Bah, je vais déjà faire mon panneau au calme, mais j'irai voir les autres. Parce que c'est des quêtes limitées en plus, donc... Autant faire celle-ci avant. Je dis pas que je les ferai toutes, mais... Prendre l'XP où on peut, quoi. Vu que les autres resteront, on pourra aller chercher ça plus tard. Je savais pas quoi lui mettre comme planeur à Sina, hein, du coup... Je me suis dit qu'un météore, c'était vachement réaliste. Si vous avez peut-être pas vu son entrée à WrestleMania, pas encore sorti, mais il l'a fait. Hein. Il l'a fait ça. D'accord. Ils sont où les sites promotionnels? Ils sont là. Ah, il faut pas courir. Il est où mon panneau? Il est là. C'est bon là, non? Il faut que ce soit parfait. Arrête. Ah, c'est bon. Ok, tout va bien. Le problème c'est que je vois un personnage hein, sur la map, mais j'ai pas de bombe boogie à lui balancer dans la gueule, ah mon con. Elle en a sur elle? Ouais non, mon cul. Hein. Mon cul. Ça je suis obligé de le garder parce que j'ai des trucs à faire avec, donc... Comme ça. Y'a quelqu'un là, qui a bougé la porte? Ah non, c'est moi. Salut Nouvelle-France! Bientôt fini le jeu!
La vache. J'espère que tu vas bien. J'imagine qu'en plus... Pardon. J'imagine qu'en plus, Rayman Legends, c'est pas le truc qui suit comme ça. Après, tu fais peut-être pas le 100%, je sais pas. Pas beaucoup de méchants dans ce monde de méchants quand même. Ah ouais. C'est le camping qui te manque, c'est ça les souvenirs. J'aurais bien aimé avoir un loup pour John Cena sur son loup, mais... Ah oui, d'accord. Je vois. Camping ne me manque pas. Ah, bizarre. J'aurais cru. Pardon, hein. Je sais pas ce que j'ai à tousser, là, d'un coup, mais... C'est comme ça. Yes, j'ai gagné des niveaux. Non, non, je pense pas vraiment. Ça m'étonnerait fortement. Alors mon loup, il a l'air de se battre avec quelque chose. C'est peut-être un animal, mais... Je me méfie quand même. Un petit bonhomme bleu, je sais pas de quoi tu me parles, j'imagine que c'est dans Rayman Legends, mais vu que j'ai jamais joué à Rayman Legends. Ah le bâtard, il a tué mon loup. Ouais. Ah, saloperie, il me tire dessus. Je sais pas où il est. Ah, je sais à peu près vers où il est, mais. Je sais pas où il est, où il est. D'accord. Félicitations. Ah, c'est de la merde, hein. J'ai une quête à faire avec ça, mais c'est chiant. Ouais, j'ai, avec ça aussi, d'accord. Oh, oh. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, rip, c'est pas grave. M'en fous. C'est pas grave. Je suis réellement là juste pour faire mes quêtes, hein. J'ai déjà dit. Ah, voilà. C'est ce que j'allais dire. Bon, j'aimerais bien que ça... Ça repart, quoi. La dernière fois avec le chalumeau. Je me souviens pas d'avoir fait quelque chose avec le chalumeau. Ah oui, je devais pas faire des dégâts au chalumeau et j'en ai chié. Ça me parle vaguement, je suis plus sûr. Bah, les deux. On va sonner à la porte des maisons. Tiens, mange-toi ma main là. Tu peux pas me voir. Viens là, John Wick, ça veut rien dire.
dans le, t'as un jeu où t'as Predator, Batman, John Cena, John Wick. Allez, supporte ta jeunesse, Nouvelle-France. Que la force soit avec toi. Et Dark Vador aussi dans le jeu. Il y a Neymar. Il y a Naruto. Moi, je sais pas tous les lister, mais... Pouet, 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 pouet. Il y a des sonnettes dans ces baraques totalement détruites. Voilà. Bizarre. Ouais, tout de suite, ça marche. M'en fous. Ah, il y a des sonnettes. Ouais, c'est bon. C'est comme ça qu'on vise, gamin. Voilà. Il était bien nul, lui. Autant, moi, des fois, je suis nul, hein. Je le sais. Mais alors, lui... Ah, ça j'y peux rien. J'espère que ça va être réglé. Ah oui, c'est vrai que j'ai une mission avec des sonnettes, moi. Souvenez-vous. Je dois pas niquer des champignons géants avec ça, d'ailleurs. Ah si hein. Ah la vache. Ça marche, là ? Une que oui. Parfait. On est bien, là. Je vais aller vers la zone, quand même. Enfin, on est bien. En vrai, non. Mais, t'inquiète. Ça va se faire. J'aimerais prendre ce jazzer. Non, je vois le maestro, t'as vu? Bon, un doliprane, ça fait du bien.
Là, c'est l'effet placebo, hein. Une bulle mobile et une tyrolienne aussi. Je sais pas si... la bulle mobile, je pourrais l'avoir... Tyrolienne, oui, hein. Est-ce qu'un doliprane se fait effet au bout de 4 heures? Ouais, la bamboche, ça me paraît loin, hein. On va essayer d'aller là-bas. Ta gueule. Surtout qu'en plus c'était une musique DMCA je crois, hein. C'était même pas les musiques de base. Ah oui, un doliprane ça fait seulement au bout de 4 heures en vrai. Hein. Enfin, ou 2 heures, je sais plus, mais ça fait pas effet immédiatement. Mais il faut reprendre un tous les 4 heures, je crois, d'ailleurs. Je sais plus comment ça marche, mais... C'est sûr que ça fait pas effet immédiatement. Ah oui, j'en suis certain. Je te dis, c'est un effet placebo, c'est tout. Mais ouais, il faut reprendre un tous les 4 heures, mais je sais plus au bout de combien de temps ça fait effet en fait. Parce que je dis 4 heures, c'est peut-être un peu moins, mais... Ah, John Cena qui va sonner à des maisons là. Il y a une deuxième sonnette là, qui a une deuxième porte. Eh non. Pourquoi faire ? Non, je t'assure que ça fait pas effet direct, hein, y a pas... Même les médicaments, hein, en général, c'est pas tu le prends, ça y est, t'es guéri, hein, c'est... Si le mal de crâne, il doit pas partir au bout de 4 heures, si tu dois prendre un doliprane tous les 4 heures. Ouais. Il y a encore un coffre. Bon, pas trop mal. Par contre, j'ai réellement des armes de merde depuis le début de la game. Ouais, merci. Des fois, je fais même plus gaffe quand je level up en vrai. Oula. Pourquoi le... Bah ouais, voilà, pourquoi. Pourquoi d'un seul coup on parle du Z comme ça, c'est... J'ai loupé un épisode. Peut-être que... Une pulsion, d'accord, ok. Après, si c'est ta passion, on va pas te juger, mais un peu quand même, quoi. Je parlerai pas de politique, c'est toujours... c'est vraiment toujours des bons plans à chaque fois, surtout en stream, tu sais. C'est le sujet qui met d'accord, donc j'ai pas envie que tout le monde soit d'accord avec moi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais toi? Bizarre le type, hein. Ah, c'est toi qui avais fait top 1 avant? Eh bah merde. Ouais, merci pour le GG. J'ai pas eu trop de mal, franchement. J'avoue que ça va. Il me faut une maison où je peux sonner là. Il y a ça dans votre peuplade? Ah, là-bas, je pense. Il y a peut-être quelqu'un. Hein.
Il y a une voiture qui arrive en tout cas. Parfait. Merde ici, y'a personne. C'est vous qui avez tué tous les méchants? De rien? Bah ouais, ok. Merci, je suppose. C'est bien ça. D'accord. La thune, ouais. Bon. C'est du vol, hein. Alléluia. Pour la tablette. Big up à la section d'assaut, hein, comme on dit. Bah encore un level, hein. Je le vois, hein, l'autre fifre là, mais... Il va faire que ça, là, il va se soigner. Ces structures. Ouais, GG, mais il est pas mort, hein. Pas trop ça, moi. Ah, GG à toi. Ouais, GG à toi. Mais c'est lui, le bougre, qui me faisait chier, non? Hein. Je vais recharger ça. Faut que je me déplace parce que j'ai pas beaucoup de balles. Ça c'est chiant quoi. Voilà des balles. Ok, il est de l'autre côté. Je pensais qu'il était dans le buisson. Ah! Ah ouais, c'est la berce. Oh putain! Partout de là! Mon interface qui a bugué en plus.
Mais non, les toilettes, c'est pour les faibles. Qu'est-ce que c'est les toilettes? Je te demande. Quoi. Prendre. Je vais voir son stuff à lui, peut-être que. Je sais pas si c'est bien ça. On m'a tiré dessus, hein, j'ai entendu, mais je sais pas où il est. Ah, c'est mort, hein, les enfants. Ouais, c'était mort. Dommage. Ouais, sniper lourd, ouais, je... Ouais. Dommage. Pas grave. Retourner au salon, tiens, je vais acheter des conneries. De conneries. Oh, waouh. Incroyable. Ok, bon bah page 7 du coup. C'est bien ça. Il reste plus beaucoup de pages en vrai. Bon après ça joue au niveau hein, mais Destiny qui joue en même temps. Il reste 3 secondes dans l'air en même temps que je pilote un bordel. Faire ça. Ça va acheter le pass. Oh, toujours. Toujours. Et j'essaye. Bah, y'a. Je vais toujours au niveau 100. Ouais, moi que les niveaux bonus en vrai, les récompenses bonus, je m'en fous un peu. Il y aurait eu un Dark Vador à l'alternative, pourquoi pas. Mais vu que je sais que je jouerai jamais avec ces skins là en vrai, même s'il y en a qui sont plutôt classe. Ce sera du... Bah littéralement du bonus quoi, si... si je les ai. La rente, la rente. Bah déjà, j'aurais Dark Vador, c'est rentabilisé hein. Écoute. Après... Est-ce que Dark Vador... ça fait le poids face à un John Cena? Oui. Pas sûr. Regardez, il y a un copain. Wow, il a un couteau, lui. Tu peux pas me voir. Ah. T'as même pas le gant de la Cination. Ah, c'est John Cena qui a vrillé, hein. C'est, avant, il lançait des casquettes dans le public pour les gosses. Maintenant, il lance des couteaux. Moi j'aime bien cette interface là, puis j'aime bien le principe. C'est. Ils sont revenus à l'ancienne, hein, parce que dans les premières saisons c'était ça hein, déjà. D'acheter les récompenses un peu dans l'ordre que tu veux. Même si au final on s'en fout parce que c'est tout le temps. La dernière récompense qui t'intéresse le plus, et puis pour la débloquer il faut avoir tout acheté. Donc. Mais c'est bien d'avoir l'illusion du choix, on va dire. Faut que je reste en l'air 3 secondes, mes enfants. Ça fait chier, si j'avais su, je l'aurais fait tout à l'heure, ça, parce qu'on est déjà venu là. Faut que j'aille à un tremplin. Hein. Un tremplin, j'accélère fort.
Ah, je sais pas, moi ça me... Je sais pas. 1, 2, 3, ça marche pas. D'accord. Ah, faisons ça. On va être un peu plus extrême alors. De quoi, c'est mal vu de jouer à 10 ans? Vous avez grandi où, vous? Vous avez grandi dans des bleds chelous, hein, si à 10 ans c'était mal vu de jouer. Vraiment. Hein. J'ai une idée. Voilà, je vais rester en l'air 3 secondes là. Et voilà. Oula, ah, j'ai coulé le bateau. Ok. C'était toi le Sinabouché? Il y a une justice dans ce monde alors. Si c'était lui. Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as vraiment grandi dans un endroit chelou. Je sais pas, moi, 10 ans, c'est... Non, je sais pas. J'ai commencé à jouer, moi, j'avais 3-4 ans, vraiment, pour de vrai. Mais je jouais à des jeux genre Winnie l'ourson et tout sur PS1. Après, j'étais pas un geek, tu vois. Comme on peut dire, de manière un peu méprisante parfois. Ouhou. Il y a des choses à faire ici. Je sais pas. Ouais, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais bizarre. Bizarre l'ambiance. Lancer un cornet de glace à des lieux dits différents. On va aller à Bourg-Jonesy, puis on va essayer de trouver un cornet de glace, parce que je sais pas comment ça marche, du coup, ça. Je sais pas où ça se trouve. Après, il se peut qu'à 6 piges, je me lève pour aller pisser, et je vois ma mère jouer à God of War. Trop bien. C'est vraiment bizarre, hein, pour le coup. J'ai entendu un coffre là, non? Je sais pas, c'est ça. Bah alors, c'est-tu tout seul? Bah, bizarre que les gens ils voyaient ça mal là où t'étais. Je sais pas. Moi, ma maman elle jouait beaucoup aux Sims quand j'étais petit. C'est mon papa qui m'a fait découvrir tout ce qu'est Oddworld, Rayman. Maintenant, mon père il joue plus du tout. Ma mère non plus d'ailleurs, elle joue plus. Ma mère, ce serait peut-être plus par manque de temps et parce qu'elle a pas de console. Elle joue plus aux Sims, je pense. Mais ouais, c'était sûr. Ça n'empêche que... Hop. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre.
Mes parents, ils n'étaient pas forcément toujours regardants sur ce à quoi je jouais parce que ils savaient que j'allais pas être choqué par certaines choses, que ça allait pas faire de moi un assassin. D'accord, c'est dans les trucs comme ça, les glaces. T'as compris, quoi? Mais je peux comprendre que tes parents ne veulent pas que tu joues à des jeux violents comme ça. Puis de toute façon, c'est pareil, hein. Y a beaucoup de gens qui vont se plaindre. Ouais, GTA, c'est pas un jeu pour les enfants, machin. Bah non. Ouais. On sait. T'as juste à faire gaffe à quoi il joue ton mioche, quoi. Lancer un corps égal. Je vais faire ça, là, peut-être. Elle est à la bamboche. Voilà. Ouais. Ah, tes parents ils s'en foutaient aussi? Ouais, bah je sais pas. Après la bamboche, il faudrait que je trouve une bulle, que j'aille vers les geysers, et ensuite que je trouve une tyrolienne. Ce serait bien de faire ça. Je sais pas trop où ils sont les geysers, ils sont vers le gros arbre, non? Bah... Moi y'a jamais de prof qui m'a jugé, mais il faut dire... c'est bizarre, pour, à quel moment c'est venu sur le tapis la discussion de... Eh hey, madame, je joue à Resident Evil, tu vois ce que je veux dire? Moi en cours on parlait pas de ça en fait, on avait autre chose à foutre. T'es pas là pour rigoler nous. Et toi, t'as pas une bombe boogie? Ah non, t'as pas ça. Connasse. C'est bizarre. Bizarre quand même. C'est où les glaces là déjà? Je sais plus. Au secours. Ah, ça j'aimerais bien en prendre un, mais. Oh wow. Moi j'avais pas de prof qui me détestait. Pas le souvenir en tout cas. Putain, c'est où les glaces? Je veux ma glace. Ouais, voilà. C'est comme il y a pas longtemps, je suis tombé sur une publication sur Facebook. Bon, en gros, c'était une catcheuse, donc Réa Ripley, pour ceux qui suivent, qui disait un truc gentil à une enfant. Et t'as plein de gens
On dit, oh là là, mais quel endroit pour emmener une enfant, hein, c'est pas adapté à son environnement, machin, hein. Je regarde du catch depuis que j'ai 6 ans. Je suis vraiment devenu un monstre de la société, quoi. Je fais 3 repas par jour, je me brosse les dents, je prends des douches. Quand quelqu'un me dit bonjour, je dis bonjour. Je suis vraiment devenu bizarre, quoi. Est-ce que vous voyez un peu le monstre que j'ai pu devenir? Ah non, mais moi je suis devenu fou, hein. Je suis, dans ma tête, il se passe des choses, hein. Mais t'as toujours des profs cons. D'un moment, tu t'en occupes plus. Hein. Ouais. Bon, par contre, c'est où les glaces? Ma vie pue la merde là. Je suis venu pour prendre des glaces et les jeter par terre, merde. C'est la nouvelle passion de John Cena. Ouais, non, le dis pas, du coup, c'est pas grave. Tant pis. Mais après, tu sais, t'as toujours des profs cons, en vrai. C'est moi, j'ai des... Comme je disais, j'ai pas eu de profs qui me détestaient, mais j'ai déjà eu des profs racistes, des profs machos, des profs attirés par des élèves, tu vois. Et... Les profs, c'est bizarre, hein, des fois. Mais j'ai eu de très bons profs aussi, hein. Mais... Bah, je vais me parer de là, tant pis, hein, j'ai pas de glace. Je sais pas. On va trouver ça ailleurs. Merde, pardon. Sorte de la main. Nous on écrit tous bien. C'est juste qu'on invente chacun un petit peu notre langage. Vous voyez que l'Académie française elle autorise des choses aussi. Oh, tu parles de ça, tu sais. Pour l'instant c'est dramatique là, mais tu verras dans 2 ans ça sera déjà oublié, hein, tu sais, collège. Tu vas arriver au lycée, tu vas te dire, ah putain, c'est trop bien le lycée. Après le lycée, tu vas te dire, putain, c'était quand même bien le collège. Puis encore plus tard, tu vas te dire, ah, j'aimerais bien retourner au lycée, tu sais. Bah oui, vous êtes des petits bébous, là. Vous êtes des jeunes. Bah, j'ai globalement un public jeune, hein, du coup, je le vois avec vous, hein. Après, je suis pas si vieux que ça non plus, hein, attention. Mais... Je suis plus vieux. Bon, ils ont mis où leur glace, là? Qui c'est qui veut tuer qui, là? Ok, Alberto. Connaisse. Ouais, 52 ans, tout pile. Ok. Non, j'ai 52 ans, tout pile, mon anniversaire, c'était hier. Mais bon. Non, mon anniversaire, c'était pas du tout hier. Et je vous dirai pas quand c'est mon anniversaire. Parce que j'aime pas qu'on me le souhaite. Tout simplement. D'ailleurs, oui, dis-nous tout, Desti.
défoncer les portes dans plusieurs quartiers, mais ils se foutent de ma gueule, j'ai fait ça plein de fois là. Connard. Bon. Allez à Tilted, hein, c'est un endroit sûr. C'est chaud de passer le brevet sans avoir de cahier, non? Non. Tu vas avec ta trousse, ils vont te dire ah ben tu prends que tes stylos et tes marqueurs et tu le fais quoi. Oula, de comment ça Nouvelle-France? Comment ça? De cahiers d'ancienne année. Ah pff. Pour réviser. En vrai, le brevet, les enfants, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire qu'il faut pas réviser, mais. Personnellement, moi, à mon époque, les questions au brevet, c'était. Colorier le drapeau de la France, hein. Bah, ça dépend quoi, Nouvelle-France. Déjà là, le message était. Voilà, bizarre, hein. En plus, bah alors. Alors. Il a peut-être raison. Ouais, oh. Faut pas écouter les profs, hein, vraiment. On défonce les portes là parce que je suis John Cena. Ah non, il faut que je les enfonce, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça marche pas sur les mêmes portes, oui. Bon, qui me tire dessus là? Ah, il est en dessous. Il a ouvert un coffre. Bon, viens. Viens, gamin. Ça marche, ça Ouais, non, il faut que j'aille dans des quartiers différents. Je comprends pas, c'est les profs qui rabaissent comme ça, je trouve que ça n'aide pas, en fait. Hein. Il n'y a pas moyen, meilleur moyen de démotiver quelqu'un, vraiment. Allez, viens là, salopard. Bon, Tony Stark, il est nul, il était nul à chier, mais moi aussi. Ce qui n'aide pas. Moi, j'ai toujours été bon en maths. À chaque fois, je dis ça en stream, et à chaque fois que je dis ça, par exemple sur Professeur Layton, quand il y a des lignes de mathématiques, il n'y a plus personne. Mais j'étais réellement bon en maths. Bah, 10 de moyenne, c'est la moyenne, quoi. Mais il y a. Mais qu'un élève, il peut avoir 5 de moyenne dans une matière. À moins que. Il est. Comment dire? Nul à chier dans les autres matières, c'est qu'il veut pas faire d'efforts, souvent. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais souvent. C'est juste essaye de voir avec lui ce qui va pas quoi. T'avais 11 de moyenne. Non 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 la moyenne. Alors il y avait en seconde où on avait un prof de maths qui comment dire. Pardon. Comment dire qui était bah une grosse victime, hein, je sais pas d'autres mots.
qui nous apprenait rien et du coup j'avais des moyennes catastrophiques en maths en seconde. Et ça faisait pas ça qu'avec notre classe. Hein. Mais toutes mes autres années, que ce soit collège, lycée, j'étais à entre 16 et 18 de moyenne, tu vois. Ouais, t'as des... Bah oui, bah voilà, alors... tu nous emmerdes. Mais voilà, du coup, je parle pour Destiny, parce que du coup, il va passer son brevet. Ou tu l'as passé, je sais pas. Non, tu vas le passer, j'imagine. Bref. Tu verras qu'on t'a fait chier pendant 4 ans pour ça. Quand tu vas arriver au lycée, on va te faire chier pendant 3 ans pour le bac. Non mais ferme la porte, il faut que je l'enfonce. Voilà, parfait. Viens là. Oh mon dieu, c'était Travis Coat. Il y a vraiment tout le monde dans ce jeu, hein, je le répète, mais... Ah, j'ai appuyé sur autoriser ton commentaire, mais... apparemment ça a pas marché, peut-être que j'ai mis ce clic. Désolé. Il faut que j'aille là-bas. Non! Non! Ouais. On va enfoncer une autre porte. Bon, bah, pas avec cette voiture, du coup. On va y aller à patte, hein, pour commencer. Ah oui, les quatrièmes, enfin les trucs professionnels comme ça, c'est quand tu vas dans un lycée. J'ai toujours été en général au collège. Enfin, même au lycée, c'est considéré comme général ES. Même si maintenant ça a changé les trucs. C'est devenu bizarre. Ok. Ok, ok. Mais sinon, ouais, c'est le même programme et tout. Ok. Et du coup, tu sais déjà ce que tu veux faire. T'as une idée. Enfin, tu peux nous le dire. Bon, si t'en as envie, hein. Ouais, j'ai vu. Maintenant, c'est genre le même truc pour tout le monde, mais tu choisis des options. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je dis pas ça par rapport à une réflexion de genre, ouais, moi, c'était la génération d'avant, c'était mieux. Non. Juste, ça a l'air trop bizarre. Ah, une bombe boogie, j'en ai besoin pour faire danser un connard. J'espère qu'il y a un personnage là-bas. Chômeur professionnel, ah ouais.
c'est pas si bien, hein. Juste spoiler. Moi je prie pour retrouver un vrai travail depuis plusieurs mois. Non, du tout, c'est juste que je trouve pas. J'avais j'ai fini mon alternance de mon BTS. Entre deux, il y a eu le Covid et tout, et depuis le Covid, en fait, rien trouvé. C'est horrible. Et pourtant, je cherche, hein, vraiment. C'est pas ça le quartier où je vais aller là? Le bâtard. C'est chiant à expliquer. Libre à toi. Comme tu veux, écoute. Mais mon point. Ah oui, non, on n'est pas du tout là où je devais être en fait. Donc, tout à l'heure, je suis en mode bah merde, les portes ça marche pas, bah oui. On n'est pas au bon endroit. Bon, tu avais pas une caisse dans ce coin là là. Ouais, flemme. Résume en un mot. Ça va être dur. Hein. Apprentissage, ok. Tu veux faire un apprentissage du coup, je suppose. Ou alors tu parles de la chanson de Youssoupha. Soit l'un, soit l'autre, je pense. Trêve qu'il faut pas vous parler, la chanson de Youssoupha, je pense, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des tornades maintenant dans le jeu. J'ai pas la ref. Ouais, ouais, non, mais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis malade. Ouais. Alors que pourtant je suis malade, c'est déjà une rêve de vieux, même pour moi. Papalada, papala. Papalada, papalada. Oh, y'a une porte là à défoncer. Y'en a une. Enfin, voilà. Allez-y. Et alors? Et alors? Ça n'empêche que c'est une rêve de vieux. Ouh. Prends ça. Je sais, je me trimballe des bons boogies. Ah, il y a un perso là-bas. J'espère que ça fait partie des persos que je peux viser pour ça, parce que sinon je pleurais en live. On m'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que je voulais faire à la base? Moi j'étais, j'ai suivi tout un cursus pour être dans la vente en fait. J'ai fait des stages à Conforama, par exemple, ça s'est très bien passé. J'ai voulu travailler pour Leclerc, ça s'est très mal passé. J'ai ensuite, dans mon alternance, fait des... comment dire? J'étais spécialisé dans la vente, en gros, pour des trucs publics, genre les hôpitaux, des églises, parce qu'on a fait un diocésain. Dans tout ce qui est énergie verte, isolation à 1€, vous savez, on vendait aussi des panneaux solaires, tout ça. Du coup, j'ai que 22 ans. J'en ai 23. Vous étiez pas loin. Oui, après, je suis pas si vieux que ça, hein, les enfants. Mais, plus âgé quand même. Pas si vieux, et pourtant, il y a des choses, des fois, où je me sens très vieux.
Les trucs qui là. Ah oui, il y a un personnage là. On est d'accord. Mais c'est pas mon con que j'ai visé que ça va pas marcher. Moi je dois me barrer de là de toute façon. On essaiera de trouver en chemin notre perso. Ah puis mon con de sanglier veut pas venir non plus. Ça marche. Oui, 23, vous étiez proche. Ah, moi j'écoute beaucoup de rap aussi. Ah, étant plus jeune et même encore aujourd'hui. Beaucoup moins maintenant. Ça fait très longtemps, à part quelques exceptions, que j'ai pas écouté de nouvel album. Genre l'album de D6, tout ça. Mais maintenant j'ai des goûts plus larges, on va dire. Maintenant j'écoute beaucoup de rock, metal. De toute façon, il n'y a pas de, comment dire, de bon style de musique, c'est juste, t'écoutes ce que tu kiffes quoi, il n'y a pas, demain tu me dirais, oh, moi je kiffe Tony Parker, j'écoute que ça, on va dire, si ça te plaît, pas les couilles. C'est comme pour les films, hein. Il y en a un, Rocky Balboa. De quoi c'est passé les paroles? De on va s'aimer à toucher le cœur, non? Il semblait bien que c'était pas ça non plus, mais j'ai rien dit. Je me suis dit que t'étais plus fan que moi de Gilbert, donc j'ai eu tort de le croire apparemment. C'est comme pour Kingdom Hearts, t'écris mal les prénoms. T'es pas vraiment un vrai fan quoi. Non, je l'ai pas. Quel con. Je pensais que ça allait le jeter en fait, mais Panini. Ah voilà. Forcer des adversaires à danser avec une... C'est pas un adversaire, c'était c'était mon Chica Bro Katom. Ça c'est une réparation primaire. Oula. Ay caramba. Tiens. Quelle gueule. Et il part au ralenti en plus. Tout ça pour me narguer. Salaud. Ville fifrelin. Pente ouais. J'aimerais bien qu'il ait des potions. Il a des potions. De quoi, Ratio? Alors, ah bah super. Alors aussi quoi. Ah ouais. Ouais, oh, t'sais. Après moi y'a personne qui me fait peur, tu vois, je suis un... Je suis un peu un malade mental. Merci mec, hein, vraiment. Un amour ce Gatom. Ah merci Gatom. C'est un vrai, c'est un bro. Je vous l'ai dit. Toujours faire confiance à Gatom, l'homme gâteau. Ouais, bah ils sont où les derniers copains là? Bah il est là-bas, hein.
j'ai des copains là-bas. Il y a des copains là-bas et en même temps, je vais aller occuper un autre espace. Ah mais on fait du hors-zone après, c'est pas bon. J'espère qu'il y a un connard qui soit resté là-bas aussi. Ils sont où les méchants? Ah, il y en a un là. Hop. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas un connard qui était là? J'ai cru voir, non. Peut-être oui. Oh, petite futée. Ah, vous le tuez là, celui que je vise depuis tout à l'heure? Vraiment que je vienne tuer tout le monde ou... Ah, il a faille. Faire. C'est fou. Il y en a encore un derrière normalement. Hein. Je me méfie de lui. Ouais, effectivement. Il y a un connard là aussi. Il en veut encore ? Viens là, montre-toi. Non mais... Où est-ce qu'on va là? Putain... Les gens, il n'y a pas de respect. Hein. J'ai l'impression de pas avoir d'âme, je suis mort de fatigue. Ah ouais. Ah merde, moi j'ai l'impression d'être mort dans le jeu. Je suis mort dans le game quoi. Fais pas rire. Je m'arrête pas là, hein. Juste je fais un tour pour. Acheter des conneries. Je sais même pas, je suis niveau combien, j'ai pas fait gaffe. Heureux Nouvelle-France. Ah, ça fait deux top 5 ce soir, hein. Ça me fait un peu chier, j'aurais bien aimé faire top 1 quand même. Parce que c'est un peu le but du jeu, à ce qui paraît. Même si je fais surtout ça pour l'émission, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Niveau 67, oh, ça grimpe, hein. On était niveau 50 et quelques, je crois, au début du live. Pas sûr. Boutique d'objets, il y a peut-être des nouveaux trucs, juste pour voir. Ouais, dommage, dommage. Il y a John Cena. Il y a LeBron James. J'ai déjà. C'est qui ça? Il y a Pac-Man Sportif. J'aime bien celui-ci, mais... Je vais acheter ça. Ouais, ça monte, hein. On va pouvoir avoir Dark Vador. Bientôt, Inch'Allah. Il y a moyen que je refasse aussi la semaine prochaine du Fortnite, parce qu'il y a des semaines où j'en fais pas, hein, mais j'essaye de faire un live des fois de temps en temps. C'est pas ce que je préfère faire en live. En vrai... lancer un cornet de glace... J'aimerais bien faire ça, mais... Sauter sur les parasols à la plage... Ah bah les os. Qu'est-ce qu'on attend? Ça marche, des gros bisous Nouvelle-France. À la prochaine, bonne nuit à toi.
D'ailleurs, c'est pareil. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je sais que je stream demain. Et après, les autres jours de la semaine, aucune idée. Aucune idée de si je vais pouvoir stream ou pas. On verra bien, hein. J'ai envie comment dire, au moins streamer dimanche par contre. Je vais essayer de m'arranger pour streamer le dimanche, faire le live du matin, finir Red Dead Revolver, parce que j'ai vu qu'on était à la moitié du jeu apparemment. Donc on fait l'autre moitié. Puis faire le jeu détente slash à la con. J'ai trouvé un jeu pour dimanche, mieux que Peppa Pig, hein, je vous le dis d'avance. Ça a l'air incroyable. J'ai trop hâte de le faire en live ce truc. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma liste de choses à faire, de jeux à faire. Et j'avais vu qu'ils l'ont mis dans le... Enfin, j'avais pas vu qu'il était dans le Game Pass. Du coup, j'ai dit, oh bah let's go. Ah ouais, premier degré, hein, par contre. Alors, peut-être que ça va pas exciter tout le monde, hein. C'est un jeu, alors j'ai oublié le nom, là, tout de suite. Où, en gros, tu fais des fusées. C'est toi qui les fais, un peu comme Kerbal, mais en beaucoup plus amateur. Genre, pour faire ta fusée, tu prends... je sais pas, une tête de Barbie que tu mets au bout de la fusée et tu la fais décoller avec 3 pétards, enfin, j'exagère le truc. Ou avec du soda et des mentos. Et après tu fais des vidéos pour les mettre sur YouTube. Dans le jeu, en vrai. Mais ça a l'air trop bien en fait. Tu vois de quoi je parle? Le nom m'échappe là tout de suite maintenant. Si ça me revient je le dirai. Et du coup, c'est le jeu qui est prévu après Red Dead Revolver. Dimanche. Si je stream dimanche. Mais sinon, ce sera dimanche prochain. Quoique, je dis dimanche prochain, mais ça se trouve, le week-end prochain, je pourrais pas stream non plus. Enfin, on verra. De toute façon, je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus. Déjà, je devrais en savoir un peu plus demain pour les autres jours. Il faut que je saute sur les parasols. Ça marche, pas de soucis, des bisous à Dessy. Ah voilà. Non, c'était sur les parasols. Bonne nuit à toi, à la prochaine. C'est chiant qu'il court automatiquement maintenant, ce con. Ah, dans un ballon de plage, dans un ballon de plage géant. Ah, il y a ça là-bas, je vois. Ça va, on fait bien les quêtes là. On enchaîne bien. Alors ? Dans un ballon de plage et dans un ballon de plage. Ah, il faut que je tape dans un ballon de plage normal aussi. D'accord. On va trouver ça. Il y en a un là-bas. En plus, il y a un coffre à côté, c'est parfait. Il y a un connard là-bas aussi, je l'ai vu. Ah, d'accord, taper comme ça, ok. Mais c'est pareil, il faut que j'éclate ça, non? Oui. Putain, mais il y en a des quêtes à faire sur ces plages, c'est cool. C'est très cool, ça. Ultra rentable.
Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Enfin, est-ce qu'il y aura ce qu'il faut là-bas? Surtout. M'en fous, j'ai fait des dégâts qu'il fallait que je fasse un peu. 406. On est plus très loin. Je fais une dernière game avec Sina, après je vais tester l'autre skin que j'ai eu, Wolverine, enfin, tester. Je dis ça comme si ça avait une incidence, mais regardez à quoi il ressemble, Wolverine 0.0. Bon allez là, je veux gamme. Un peu long à charger les parties ce soir, je trouve. Oh là, il faut gueuler. Tout simplement. Toujours gueuler dans la vie. Mon credo. Survivre aux phases de la tempête pendant l'événement, reconstruire le... Mais ça, je suis littéralement à beaucoup plus qu'un sur 25 avec tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Bon, bref. Tant pis. En vrai, je vais aller faire ça aussi, je pense, parce que au moins ça nettoiera ça. Ça, j'aimerais bien le faire. Ouais. Ouais, on va faire tranquillement ce qui reste là. Puis après, on regagnera de l'XP en faisant les autres quêtes. Quête normale. Je regarderai après aussi, c'est jusque quand... cette saison, quand est-ce qu'elle se termine? Après. Savoir si on est large ou pas. Je pense que oui, en vrai. On est là. Je pense que ça va finir vers septembre. Mais que j'ai large le temps de faire mes... un peu plus de 30 niveaux, quoi. Surtout avec les quêtes qui me restent. Allez, danse. You can see me. C'est ça qu'il fallait faire. Peut-être que je le fasse là. You can see me. Non. Ça marche pas. C'est pas une piste de danse là où je suis, vraiment? Ah non, pas du tout. Que nenni? Apparemment, ça a l'air d'être ça. Ah oui, d'accord. Voilà, parfait. Ah, il me faudrait un pistolet feu d'artifice là. Donc, ce serait fort appréciable. Y'a rien dans cette baraque.
Ah oui. Ah c'est joli, mais j'aimerais bien avoir le pistolet pour faire ça moi. Peut-être qu'il y en a un au pied faire joli, enfin pour ils ont prévu le coup je veux dire, je sais pas. Genre là il y a des points d'exclamation peut-être que. Pas ça. C'est juste pas ça quoi. Bon, c'est pas grave, ce moment c'est pour l'autre quête. Ça je prends, ça oui pour le moment. Putain mais y'a pas de pistolet feu d'artifice vraiment là. Quel enfer. On va aller chercher là-bas, mais... Ok. Je cherche à droite à gauche hein, du coup mais je ne vois pas ce qui m'intéresse. Bon, très bien. Oh le bâtard. C'est bon. Tout va bien. Ah bah voilà, là on peut causer. Je vais aller ramasser son stuff quand même à lui. Hop, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'il fallait faire. J'imagine que non du coup mais... Ah si. Très bien. Bon bah c'est pas mal tout ça. On va pouvoir se barrer d'ici. Même regarder les autres quêtes. Ouais j'ai la quête des cornets de glace. Et puis ça m'a l'air d'être tout. Ouais c'est ça, la quête des cornets de glace. On va aller au sanctuaire, on va voir s'il y en a. J'espère que oui. Qu'on en ait au moins un, quoi. Super beau. Qu'on s'adaptera pas par rapport aux autres quêtes. Alors, j'avais cru voir un arbre, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est au sanctuaire. Donc il me faut une putain de glace. Là-dedans, il y en a ça. Non, pas du tout. Là-dedans...
Bah, ça va être un truc qui ressemble plus à une glacière qu'un truc comme ça, mais... Mais il faut trouver. Non, je vais garder ça pour l'instant. C'est bon. Je sais pas où trouver ça. C'est terrible. Fouiller à l'intérieur. Hein. Ça m'aurait étonné. Ok, ok. Ouais, non. Non, 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 je trouve pas de glace. C'est que c'est dans des espèces de... de glacières, hein, parce que j'ai vu un mec faire là tout à l'heure, mais... Quelle idée de où ça peut être, quoi. Ah, c'est fou comment je trouve pas. Hein. Vraiment. Je suis peut-être aveugle. Hein. Je suis peut-être passé à côté de 1000 glacières depuis le début, mais... Mais ouais, j'avoue que... Quelle idée. Je me souviens plus si j'ai trop été par là. Visiblement, je suis pas passé, mais... Est-ce que je vais y trouver mon bonheur? Il y a un sanglier qui est visiblement bloqué dans un coin. Oh, c'est fou, hein. C'est fou. Bah, il y a un méchant aussi, là. Pas où il est. Comme ces putains de glace, je sais pas où elles sont.
me semblait qu'il y avait quelqu'un qui m'observasse. Je sais pas où il est. Je vais bouger, hein. J'aime pas quand quelqu'un me voit, mais que moi je le vois pas. Je suis pas serein, j'aime pas rester là en plus dans mon coin, j'aime bien bouger mais j'ai l'impression d'être bien encerclé là pour le coup. Je vais partir vers lui, hein, c'est le seul que j'ai repéré. Moi aussi j'ai été repéré. Une merde, hein. Bon, du coup, je voulais voir un peu l'autre skin. On a déjà bientôt fini la page 7. On l'a entamé tout à l'heure. Faut 8, ouais, dans deux niveaux. Okay. Oui, casier. Cool. Préparer ça. Bon, ouais. Je suis pas convaincu, hein. Je préfère la version originale. Oui, c'est vrai que j'en suis encore là-dessus, moi. Oh, ça m'a l'air simple ça, non? Faire ça. Par contre, ouais, du coup, je viens de voir le truc relax que... Ça peut aussi pas mal me faire augmenter de niveau, faudra que je fasse ça. Faudra ça plus tard, quand on aura plus de quêtes dans les trucs hebdomadaires, là. Si c'est nécessaire. Du coup, il a remis dans son dos? Ouais, parfait. C'est gratos. Du coup, il faut que je passe à travers des anneaux là-bas. 5, je crois. Si j'ai bien comprendu. On va voir ça. On
En vrai, j'ai peut-être fait encore 2, 3. Ouais, peut-être plus 2 que 3 games et je vais m'arrêter là, je pense. Donc, il y aurait des anneaux ici. Et où sont-ils? Ah, j'ai vraiment pas envie de les louper. Ok, je bois des. Des trucs. Bah là. Ils sont où? Ah, c'est ces trucs de merde là! La vache! Putain, ils sont tout petits, je pensais que c'était des anneaux à travers lesquels il fallait passer. Merde. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. On va dire. Ok, on va grimper là. Ah, il y en a un là. Il est plus prenable, je pense, non? Ah, même pas. Quel enfer. Et... sous de moi. Je vois pas. Faut rester droit en plus. Quasiment. Bizarre. Ok, ça c'est cool. Putain. Mais genre, je saute pas assez. Mais pour moi, je saute assez haut, hein. J'ai l'air d'un connard, je suis sûr à faire ça. Bon, c'est pas grave. On va voir ailleurs si. Si j'y suis. Allez, avance. Ah, y'en a un là. C'était tellement sûr. Bon, je pense que je vais m'arrêter là en vrai. J'en ai un peu marre. On aura fait 2 heures, c'est bien. C'est très bien. Trop de Fortnite, tu le Fortnite. Ouais, ce skin, par contre... voilà. Ça va être mon nouveau skin pendant un moment, je pense. Ouais, non, bah c'est bon. Ok. Bon, voilà, voilà. On va s'arrêter là. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc demain, 20h30. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que, bah, sûr, on va commencer par Rayman Origins. J'espère peut-être continuer Kingdom Hearts Birth by Sleep en deuxième partie de soirée si j'arrive à bien avancer d'ici demain. Mais ça, c'est pas garanti du tout. Donc sinon, je sais pas encore ce qu'on fera en deuxième partie de soirée. Je trouverai. Parce que j'ai pas envie de me retaper du Fortnite. Mais wow, quoi que, on verra, on verra. Du coup, encore une fois, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et surtout... ne vous amusez plus.